Salut à tous, je vous propose maintenant de découvrir un coût particulier. Ce coût est le coût du berger. Alors le coût du berger permet de mettre le roi adverse en échec et mat en 4 coups seulement. Donc pour cela, je vais lancer comme d'habitude le logiciel Chess Titan et je vais simuler une partie. D'accord? Alors ce coup a été inventé par un berger qui aurait été défié par un roi. Il consiste en fait à exploiter la faiblesse du pion qui est situé ici. D'accord? Pourquoi? Parce que ce pion n'est protégé que par une seule pièce. Ce pion n'est protégé que par le roi. D'accord? Il n'y a que le roi qui peut ici protéger ce pion. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre sa place, grosso modo. D'accord? Effectivement, ni le fou, ni le cavalier, ni la tour, ni les pions qui sont devant ici ne peuvent venir ici. D'accord? Donc, je vais jouer avec les blancs et je vais réaliser le coup du berger sur le roi adverse et vous montrer que en 4 coups, on peut mettre le roi adverse en échec et mat. Donc, je vais avancer ce pion ici de 2 cases. D'accord. Alors ici, je vais également jouer avec les noirs. Pourquoi? Parce que évidemment l'ordinateur, qui est un initié des échecs, connaît évidemment le coup du berger. D'accord? Alors, le coup du berger, vous pourrez le réaliser uniquement contre des joueurs qui sont des débutants. D'accord? Parce que n'importe quel partie joueur un petit peu initié aux échecs connaîtra un petit peu ce coup et pourra protéger son roi d'une manière adéquate. Donc je vais, deuxième coup ici, amener ma reine blanche là. D'accord. Donc par exemple, je vais déplacer le cavalier adverse ici. Le fou blanc, je vais venir le mettre là. Donc regardez un petit peu ici. Le pion dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, il est en mesure d'être mangé par cette reine et par ce fou. D'accord. Donc, par exemple, je vais venir ici avec le cavalier là, d'accord. Et, quatrième coup blanc, en venant ici, le roi adverse est en échec et mat. J'ai gagné la partie. Regardez un petit peu. Il est en échec, pourquoi? Parce qu'il est en mesure d'être pris par ma reine qui est là, d'accord. Il ne peut pas venir ici, pourquoi? Parce que il est en mesure d'être pris par la reine qui est ici. D'accord. Et si le roi adverse souhaite me prendre ma reine, d'accord, eh bien ma reine est protégée ici par mon fou. Ok. Donc si vous voulez, on peut recommencer la partie et vous montrer rapidement le coup du berger en 4 coups. Voilà. La reine, je viens ici. Par exemple. Mon fou, je l'amène ici. Par exemple, je joue ça. Et enfin, je prends le pion qui est là. Et échec et mat. J'ai à nouveau gagné la partie. D'accord? Donc le coup du berger est un coup particulier qui permet de mettre en échec et mat le roi adverse en 4 coups. Voilà. Je vous remercie.